Bienvenue dans ce quatrième vlog parc et attractions. Nous sommes aujourd'hui à Walibi Rhône-Alpes, juste avant la saison d'Halloween, quelques mois après l'ouverture de Timber, mais nous devions venir tester Timber. Je vous présente Julie. Bonjour. Récente adhérente. Et Timber. Timber qui n'est pas bien haut, qui n'est pas bien grand, mais qui a des virages sacrément penchés quand même pour sa taille. Que nous allons donc nous faire une joie d'essayer tout de suite et tout au long de la journée. Et puis on fera un petit compte-rendu en fin d'après-midi pour voir ce qu'il en est. On vous donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur. Non Pierre, je t'aime pas, je t'aime plus Pierre. C'est rien. Là. Oui, un peu. La dernière bosse, je sais pas comment on a été freiné sur la dernière bosse, c'était trop bizarre. J'ai même plus assez de voix pour crier. Il est meilleur à l'arrière. En tout cas, à froid le matin, il est meilleur à l'arrière. Don't be afraid of the ones you love, shy boys. Don't be afraid of the ones you love. Don't be afraid of the ones you love, shy boy. Don't be afraid of the ones you love. Flesh temple orbits the sun, yeah, I think that the summer's around. I felt the itch in my eyes, girl, but I said you in blue. I think it's a little paranoid, something new, just like you. Pas seulement Timber que Walibi Rhône-Alpes a construit cette année, c'est toute une place, toute une zone autour avec une façade sur le côté de Woodstock Express qui rend la Wildmoose beaucoup plus habillée, beaucoup plus thématisée. Et maintenant elle est chouette cette Wildmoose. Des toilettes juste devant, des nouvelles toilettes dans un parc, c'est toujours un événement évidemment. Ouais.
Ce ne sont pas les fans de Disneyland Paris qui me diront le contraire. Et un snack. Cul de castor, sandwich cul de castor. Sandwich cul de castor. Ah mais c'est le nom, hein. Oui. C'est le sandwich bûcheron, tu manges pas du bûcheron. Les tabourets Tolix, c'est du Made in France. C'est de la marque? Oui. Ça c'est pas du Tolix. Ça fait penser un peu à du Castiglione. Il faisait des sièges avec des sièges de tracteur sur une structure. Ah oui. Non mais c'est super, ouais c'est super classe. Et puis cette petite fermette de chez Zamperla, pour les plus jeunes, il y en a pour tous les âges dans cette nouvelle zone. L'abreuvoir à chevaux, très utile quand on vient à cheval, hein. N'oublions pas, avant c'était à Virlande. Hein. Voilà. Et il y a même des rochers, voilà, je ne sais pas qui les a fabriqués. Ah c'est creux. Oh come on, come on, come on, come on. Bon alors bonjour Dominique Chapatte, aujourd'hui on va essayer la Ford T de 1905. Attention, vous l'avez retourné hein. Bon, alors la direction assistée, il n'y en a pas hein. Les suspensions c'est très mauvais, mais bon c'est normal, il hein, y a des roues en bois. On peut noter par contre la fonction GPS extrêmement bien fichue, ah, avec oui. Ce rail qui empêche de sortir de la route. On suivra toujours le bon chemin. On ne tombera jamais. Voilà. Allez, les cocottes. Elle a du mal quand même. Hein. Bon, allez, une petite accélération. Allez, on va serrer le virage à gauche. Redresse. Ah oui, mais bah, c'est bon, hein. Elle réagit pas si mal que ça dans les virages. Bon, recommandation. Écoute, moi je disais 4 sur 5, ouais, pourquoi pas, pour le dimanche. Qu'en est-il du test Euro NCAP? On a les résultats encore ou pas du pas tout? Pas encore, je crois, ça va pas être fameux. Alors, Timber, premier avis. Ça sent bon. Ça sent bon, ouais, ça sent le bois neuf. Déjà, ça, c'est agréable. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il est bien nerveux. En fin de journée, avec le harnais pas trop serré, il y a un virage notamment où j'ai décollé pendant pas loin de 10 secondes, je pense. Allez, ça paraît toujours plus long à l'intérieur, mais bien 5 secondes, j'ai plus touché mon siège pendant, ouais, 5 à 10 secondes. Tu as failli en perdre ta veste, hein. Oui, ma veste à la fin du tour était complètement soulevée par-dessus mon dossier. Elle s'est soulevée derrière moi. Avant de le faire, je trouvais déjà que les virages étaient très sympas, les virages très relevés. Et effectivement, même sur les virages comme ça, on a de l'airtime. Sur les bosses, on a de l'airtime. Sur les virages, on a de l'airtime. J'ai pas compris. On est comme ça et pouf, on flotte. C'est magique. T'as flotté, Julie? Oui, un peu. Non, non, c'est une très très belle petite machine. C'est un très très bon ajout pour Walibi, Rhône-Alpes. Et franchement, là, le parc a l'air vraiment de prendre de très bonnes décisions. Timber est génial. L'année prochaine, il prévoit déjà une nouvelle attraction et un nouveau restaurant.
Une bonne dynamique. Une voilà. bonne dynamique, ouais, j'aimerais qu'il continue sur cette bonne dynamique parce que c'est très prometteur pour l'avenir. Walibi Rhône-Alpes, là, nous a fait une très très belle surprise avec, avec ce Timber. Parce qu'il est très très bon au dernier rang. Ouais. Il est très très bon au premier rang. Je dirais le matin, préférer le dernier rang qui permet de profiter de la vitesse, tout ça. Et le soir, le premier rang, j'ai décollé au premier rang. Donc voilà, le premier rang, il est très très cool le soir. Il y a une belle vue. Il y a une belle vue sur les virages depuis le premier rang. Ouah, ces virages sont fantastiques. Il est peut-être un peu court, mais de l'intérieur, il est tellement fun tout le long. Il perd pas de vitesse que ça passe. On est tellement rythmé du début à la fin et on décolle que ouais, on est content. Bah, surtout toi, qui n'es pas hyper fan de Grand 8. Pour toi, il fait juste la durée idéale. Ouais. Voilà. Le parc en général, c'est très coloré avec le nouveau thème musical, tout ça. Ils ont bien repeint le parc, c'est assez sympa. Equalizer, anciennement le Boomerang, franchement m'a surpris aussi. Les trains sont super confortables, on se prend aucune claque, tout ça c'est génial. Il n'y avait pas le son, la musique était en panne depuis hier a priori. Mais ouais, j'ai adoré, c'est très très confortable. La mini ferme c'est sympa parce qu'on peut se balader au milieu des animaux. Et on peut voir les lapins. Les employés étaient super sympas. Les vigiles aussi. Les vigiles aussi étaient super sympas. Je dirais que tout ce qui manque à Walibi, c'est une tour panoramique ou une très très grande roue. Parce que même du haut de la Free Fall, de la Space Shot... Du Skunks, exactement. Ouais, du Skunks. On ne voit pas Timber, ou très très peu, c'est pas assez haut. Ça serait bien de pouvoir prendre de la hauteur pour voir le parc d'en haut. Surtout plonger en pleine nature comme ça. Allez, 2018, une très très grande roue. Peut-être. Ça serait bien. Essaye, tu te gères. Une grande roue, une très grande roue. Ça serait vachement c'est bien. C'est bien, c'est facile en plus. Mais ouais. C'est pas compliqué. Quitte à la louer à un forain, tu vois. Ouais, peut-être. Voilà. Il est temps de se quitter. Parc et attractions, le magazine. On a encore 2 ou 3 numéros à sortir d'ici la fin de l'année. On va mettre les bouchées doubles pour les adhérents. Parc Passion, on vous donne rendez-vous en 2017 pour pas mal de surprises dès le mois de janvier. Et vous pouvez retrouver le vlog précédent qui concernait le Futuroscope en cliquant ici ou dans la description. D'ici là, parcpassion.org. pour toute notre actualité, notre page Facebook, notre page Twitter, notre page YouTube, mais normalement vous êtes dessus, et puis toute notre actualité. Ciao ! Ciao ! On vous donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur. À l'intérieur dehors.